C'est con. Parce qu'ensuite le Ah, mais non, kraal, c'est. ouais. Non, c'est bon. J'allais essayer Le dans la tête en kraal, on fait. pourra pas là, je sais pas s'il est dispo, mais on pourra pas looter, Il est je crois. dispo. Il est dispo, ouais? Il me semble. Ah, j'avais un Je screen. pense, mais est-ce qu'il y a des loot 25? Je regarde, 28, Oui. 26. Ouais, il y a quelques trucs 25, hein. Ouais, sur les premiers. Ouais, genre, bah du verre, Bah, mais je bon, pense que ça peut des être épeaux marrant vénères, là. hein. Ah ouais, ça se fait, hein. Oh, le démembreur. Ah oui, ça, oui, ça c'est moi. Ouais, il y a des trucs 25, hein. Et pile poil 25, genre une épée 2,70 à une main. Ça en spé combat en rock, je pense qu'il kiffe. Bon, vert par contre, 16 de DPS, mais 2,70. Ouais, oui, le démembreur, il est énervé, mais 29. Ah bah, il y a l'épée de putréfaction. Putain, elle est pas mal, elle. Alors ça, tu kifferais, Lucas. C'est par contre, c'est un LQE possible. 17,5 de DPS, 2,70. Ça, pareil, pour Warfury, c'est top. Niveau 23 requis. Donc ouais, le Kral, ça aura le coup d'aller un peu en chier, hein, d'être stylé en soi. Il y a des loots. Il y en a certains où on va être deck de les voir et pas pouvoir les prendre. Et d'autres, on va se dire, ah, ça va être stylé. Hein. Viens, on va prendre la quête. Bah les couilles des quêtes. Enfin, vous les faites peut-être, mais bon, pas les couilles là, des quêtes. Déjà, trop de quêtes De toute dans le façon, journal. on a Merde, trop de mais quêtes déjà pour par rapport à est-ce que ça. je peux Ça sert à remonter? rien de. Enfin, si c'est pour des loots, ça sert à rien de plus compliqué. Oui, non, mais t'es la quête du mec là. Ouais, Non, le il porte même démembreur. En pas de plus, je crois quête, ce qu'il est en bâtard. 3,80. La vitesse, ça change quelque chose pour un druide ou pas? Ou c'est que les Il prend stats? combien, ça? Xela. Ouais, Xela ne répond plus. Parce que ouais, là, le démembreur sur un war en Windfury, tu mettais des tatanes du démon, c'était incroyable. C'était d'ailleurs la meilleure arme, je me rappelle de ça, de Twink. Quand t'étais Twink 29, hein, le démembreur était la meilleure arme de war. Petit souvenir de Twink, il a niveau 31, 31, 20, ah putain, dommage, la dague, 26, 1,30, oh, la main gauche de rêve, ça. 19 de DPS, 6 agi, mais niveau 26. Dommage. Il est velo. Dommage, dommage. 27, 27, 27. Ah, ça va être cool le crâne. Ça va être un bon challenge. Puis il y a les trash après qui loot du verre qui peut être stylé quoi. Ah, Xela, ah, mais je crois qu'il est déco en fait. Ah oui, merde. Ouais. Ouais. Ouais, une petite coupure de cours de connexion. Classique, classique. Pain, 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 pain. Ah oui, donc t'as pas pu répondre. La vitesse d'une arme, ça change quelque chose ou pas pour toi Android? Ou rien à foutre, c'est que les stats. C'est que les stats, genre, peu importe les dégâts, la vitesse, ça prend rien en compte. Ok. Parce que ouais, donc tu vois, le démembreur par exemple, c'était donc l'arme bis de War ou même de Paladin, parce qu'elle est en vitesse 3,80. Il y a quasiment pas plus lent. Mais après, avec la furie des vents, pour le coup. Ouais, mais sinon il prend pas lui en compte les armes. Ça va. Tu viens à côté de Vas-y, mais moi? les dégâts, tes dégâts, ils sont basés sur l'arme. Bah non, justement, c'est ce qu'il me dit. Enfin, moi j'y connais rien en vrai là. Mais... Ah, les dégâts de l'auto. Pas Non? les spells, je crois. Mais... Non, normalement non. Je t'ai envoyé plein de boucles. En Ah! fait, là, Si, je t'ai envoyé des sous. je. Ouais. Quand j'enlève mon marteau, je perds juste les stats du fait que bah, mon marteau me donne des stats. Je pense que c'est basé. Je crois que c'est basé sur la Ah ouais? puissance de. Parce qu'en gros, les transformations me donnent des dégâts. Voilà, quand je me transforme en ours, ça augmente ma puissance d'attaque de 69. Donc ça va prendre l'attaque de base et Ah, ça mais on doit a un l'améliorer. fly à prendre devant Arati. Ah, trop bien ça. Ah, mais Zelos, il nous a pas attendu là, continuer tout seul. Je suis en mode autopilote. Attends, je reviens. Ah, y a du bon dinosaure tête de mort à gauche là. Ouais, Ah, on va. je vais me. Y avait pas un truc à cocher Non. pour enlever les casques et les Frigo, c'est capes? un béco. Hein. Non, ça c'est l'ancien. C'est un béco le nouveau. Je vois béco d'ailleurs, filtre aussi là. File béco, mais précise. Frigo. Ouais, vous avez pas attendu que Zéla non plus. Bah, il C'est était vrai. déco, tant Bon, pis. il est pas fufu donc. Oui, après, voilà, c'est un. Il est en. Il va vite, c'est un druide. Salut à côté, Ken!
Donc là, donjon into Palana avec Natnat. Natnat, till the end, on est chaud, hein. On joue aujourd'hui. On joue. Sérieux. Go geeker, là. Ras le bol de faire les casus, là. Pas un casu, moi. Clair de feu amélioré. Est-ce qu'il me reste salon? Il me reste 22, 23, 24, 25. 4 points. Je vais en mettre 2 dans un clair de feu. Milio. Ah, je pourrais mettre, attends, je pourrais mettre 3 points là. Ah oui, non, je crois pas ça. La portée, non. Non. Ouais, non, c'est mieux les dégâts, effectivement. Plus de feu, on peut aller faire Arati ici. Let's go. Oh, bah oui. On va faire les 4 Arati, hein. elles vont toutes être rouges bien pétant. Hein. Maintenant, le PG. Ah, bah, encore mieux. Ça commence à quel niveau le BG? Je crois que c'était 20. Hein. Oh. Ah oui, il doit y être. Hein. Le petit fly. Cédric. Ah, on va pouvoir revenir en fly maintenant. Ça serait stylé par contre. Après, il y a un fly à côté de Ombrecro pour nous. Pas en enfin, pas à côté parce que c'est la forêt par argentée, mais. Il n'y a pas de. Ostriva, je crois, ça s'appelle, un truc comme ça. Un moulin de Taren, quoi, mais version. Version je crois manga. Que c'est le dernier, c'est le dernier fly de la lune. Oui, ouais. Ensuite, ça va être compliqué. Après, il y a les Interland à droite, mais il n'y a pas plus au nord, quoi. Ah, bah, les Malter. C'est vrai qu'il y a les Malter au nord. Mais bon. Oui, Malter, mais bon, Malter, c'est plus loin si tu veux aller dans ces régions. De toute façon, c'est beaucoup plus haut niveau, surtout. Ah bon, on va pas aller au Malter niveau 25. Franchement, large. Je pense qu'un raid de 20 pourrait perdre contre un mob 50 normal. Parce qu'on le toucherait pas en fait. Bah, je pense que c'est impossible. Ah, il y aurait des petits dégâts qui finissent par passer. Un ou deux points de dégâts. Un dégât... Ouais, mais la regène du mob sera peut-être supérieure à... Non, il n'y a pas de regène de vie en combat. Il se régène même pas un petit peu de PV hein. Négatif. Il y a une régène mana en combat. Par contre, enfin, laquelle, mais. Tu peux pas libérer l'esprit. Ah tu oui. Tu peux pas revenir autant que tu veux. Ah, Frozuk, c'est one shot. Elles sont tellement c'est cool les quêtes ici. Mort. Frozuk, tiens, c'est vrai qu'il est 42, on va sur le bal à lui. Et donc là à gauche, c'est gentil ou c'est méchant avec nous? C'est gentil. C'est gentil à gauche là? Je crois. Hein. Non. Bah, à gauche là, non, non. Non, c'est. Il y a des défias là, des trucs comme ça. Ah, ok, parce que moi c'était méchant hors d'eux. Avec des ogres. Oui, il y a des ogres, oui, c'est parti avec des alliés normaux. Il y a peut-être quelques alliés, mais c'est en mode. En fait, c'est infesté par les trucs méchants. Je sais qu'il y a la patte de Stormguard. En cheval, non? Bon, eux, ils sont gentils. Oui, ils sont gentils. Enfin. Ceux qui sont méchants, c'est la patrouille d'Arati Morvihante. C'est un programme. Mais il est où Azelos? Il est déjà arrivé à. Mais non, je suis derrière, personne n'a. Ah oui. Cette petite elfe. Moi, je fais l'éclaireur. Le côté RP. Ouais. À ma grande surprise, on est toujours pas mort pour l'instant. Non, mais ici, ça va. En même temps, on a rien croisé sur. Ah, c'est comment cette tête de mort autour de moi, quand même. Ah bah, je t'assure que quand on a été au Lams, mec, ça a été la guerre. Hein. Ouais, Putain, j'avais prévenu. Même dans les Lams, hein, j'ai l'impression que ça a été la guerre. Ah non, le donjon était tranquille, on a juste. C'est la quête des pots qui a été une abomination. Ah ouais. Oh, le donjon, on l'a bien déchiré pour le coup, pas trop de problème. Arclight qui est quand même mort parce qu'il a pris l'aggro sur le boss de fin. Ah bah ouais. Il s'est fait crush la gueule comme Jaja. Mais non, c'est passé assez pépère les lames. Ah, Ombrecro, ça va être cool, meilleure musique. T'as trouvé? Trop bien. Ça arrive quand demain. T'as pris quoi? Ah, des piles. Plein de piles. Tu penses qu'au bout de combien de jours je dois la laver, les renouilles? Quand ça commence à puer. Tu l'as lavé ton Kigurumi ou pas toi? Ouais, il est en train de sécher. Ah.
On... Eh, franchement, on aurait pu faire une... un gang tour stylé. Toi en ours, Nat et moi en grenouillère One Piece. Et on en trouve une. On en trouve une à Lucas. Voilà, un truc de fufu, je sais pas quoi. On va faire le gang des grenouillères. Les onesies. C'est trop bien. On se balade comme ça dans les routiers. Ah, un truc transparent. Et go. Bon, ouais. Ouais, comme ça, je n'ai pas de vêtements dessus. Bah, ouais. Je vois pas. Alors, une LAN en onesie. Trop stylé. Hein. C'est vrai qu'en février, pendant la LAN Nightingale, LAN onesie. Hein. Voilà. Quelle vie on a quand même. Quelle vie on a. Ah, j'ai été payé pour l'OP Dungeon Stalker. 18€. Grosse OP, hein, comme je vous avais dit. Oh, le vieil ours. Va-t'en. Sale bête. Je vais le dégager. Allez, barre-toi. Oh, il revient. Tac. Belle grosse OP à 18 balles. Ah oui, ça, il faut que je fasse Kingdom aussi. Voilà. Faut que je fasse le truc Kingdom. Requirement. Ah, mais ils arrêtent pas de changer leur. Faut que je fasse l'OP Kingdom. En plus, ça a l'air cool, mais faut que je me pose dessus. Alors, Xela est devant, Pookie de... Xela derrière, Pookie est devant. Putain, mais Pookie en avance sur nous, moi ça me fait bizarre. Hein. Bah ouais. Moulin de Taren, ça peut être chouette comme endroit pour Pex en vrai. Pour finir le niveau 25 là. Moulin de Taren, ouais, vas-y. Ouais. Quand j'ai lancé Kingdom cette nuit pour test, le jeu. Oui, ouais, ouais, c'est normal, Zadim. Ils ont fait un tuto. Ils ont fait un tuto pour changer de langue. Sur leur Discord, je le montrerai. Yes, yes, yes. Pookie, tu vas où? On va prendre le fly, nous. Je vais nulle part. Je suis juste en train de crever, c'est tout. Bah parce que t'as pas été au bon endroit. Non, non, je suis sur la route. Ah bah, regarde-nous. Oui, mais t'es pas au bon endroit, on va prendre le fly d'abord. Oui, vous avez pas suivi la route. Ouais, oui, après c'est toi qui as coupé, là. Bah oui, mais en même temps, normal, on va vers le fly. Ils sont... Les mobs sont de notre niveau, là, c'est 23 et tout. Tranquille. Bah, je suis la route. Oui. Pense raid comme dans The Crew. Oui, non, mais très bien. Mais. Il a... Vous avez 4, vous avez 4. Bah, on a un 4-4, nous. C'est une Mustang 4-4. Bah, oui, mais tu vois, je me suis pris deux lions sur la gueule. Salut, j'étais content. Quoi. Putain, ça coûte 12 PA d'aller de South Shore à Baie du Butin. Faut être riche hein, pour prendre le fly en fait. Ouais, ça, je suis à 4 PA 60. 4 PO 60, c'est pas si mal. Vous êtes tous ouais, bien riches là. Il est méga riche toi. What the fuck. Je meurs, je sais pas, je suis fort. Il a pas de, il a pas de, de flèche à acheter, il a pas de poison à acheter. Ouais. T'as quoi à acheter d'ailleurs en démon? Des sorts de démons. Ouais. Ah bah oui, c'est je, j'ai deux fois mes sorts achetés parce que ces bâtards ils ont... Oui mais, ouais, mais est-ce que t'as des compos achetés tout le temps en permanence? Non le seul compo c'est les fragments d'âme et je l'ai créé. Parce que ouais, par exemple moi une dispa ça me coûte 20 PC par exemple. Dès que je dispa, oh 20 PC. Oh bichette. Ah, ça va vite hein, ça va vite. T'inquiète le niveau 24 arrive tu vas perdre 5 PO. Ah ça c'est possible. Moi bon, déjà niveau 22. Moi j'ai le... Enfin, le level le plus poison, dégueulasse qui arrive. Ça te sert à quelque chose, là, Xela, la laine, pour monter ton métier? Oui. Ok, bah j'ai 40 laines pour toi. Voilà. Ok. Bah je peux te faire ça, si tu veux. Le niveau 22, il m'a bien séché côté PO. On va voir. Attends, on va le buter. Alors, ah oui, pantalon en laine épaisse. 3 intel, 6 esprits. Ouais, c'est mieux que ce que j'ai. Mais il faut un endroit de couture ou je sais pas quoi, non? Non, il faut juste un PNJ qui me vend des bobines. D'accord. PNJ général. Ça roule là. Ah, leur zone 6 là. Ah, c'est bon. Il y a le Undead qui s'est fait accro. Et je pourrais bien. Ok, le forgeron là, c'est vraiment un hardcore. Ah oui, donc c'est des gentils d'ailleurs ici, ouais. Les apprentis forgerons. On a failli crever en hardcore avec Pookie récemment. Trop bien. Ah, c'est que des gentils ici en fait. Ok.
Tiens, attends, les Goldforgerons vite fait. Besoin d'aide. Ah, ça fait trop. Salutations. Ouais, bah ça me va, j'ai 2-3 trucs à vendre. Ça me fait trop bizarre. Mais là, c'est des gentils. Ok. Ouais, non, je vais racheter ça. Ah non. Tac. Ok. Faites un bon voyage. Ok, c'est là comme ça. Allez, on continue. En route pour Ombrecro. Bon, Ombrecro, niveau 21, 23, 23, 23 et 22. T'es bientôt 23 ou pas, toi, Salim? Ah, c'est ça qu'il est, enfin, il a fait, après, il parlait dans le chat. Dans 4 carrés. Ah oui, donc tu seras 23 dans le donjon. Et il y en a qui ont passé 24 rapidement ou pas dans les 3, dans les 3 23 yep, moi. Moi, je suis pas à la moitié encore. Ok, donc à Zélo, Xelanos, et toi Pouki? Dans le donjon je passe je suis 4. Au début. Ok. Ça tombe bien, parce que sur le tank ça sera pas plus mal pour le boss de fin. En vrai, le mec qui sera MC, si c'est pas moi, je pense que je vais le fear. Ça on sera tranquille. Je sais pas s'il faut le taper ou pas au final, je sais même plus. Après c'est qu'on est pas en hardcore là, donc bah les couilles au final, on lui défonce sa gueule. Pif. Super. Après ça fait un mec en moins. Ouais mais il me semble pas qu'on meurt. Si c'est à Zedos avec le Winfury sur moi, je vais pas rester longtemps. Ça peut être rigolo. Non mais c'est, bah, non, mais c'est pour ça, le fear c'est la bonne solution. Là je sais pas si c'est. Si y a un timer, oui. Enfin s'il reste genre pendant 10 secondes ou 15 secondes, ouais. Le MC, je veux dire. Ah, généralement c'est, ça dure. Enfin, j'ai pas souvenir d'une mécanique où t'es contrôle tout le combat, si. Enfin, je veux dire. Alors non mais c'est l'autre condition, c'est justement de descendre les points de vie. Hein. Ah, ouais, de descendre les points de vie. Ah, c'est. Ça me paraît... Oui, quand je disais défoncer, c'est dans ce sens-là, c'est pas pour, juste pour le tuer, c'est pour... Ouais. En gros, ça fait proc, un DMC, je sais pas comment dire ça. Ouais. Ce que tu veux dire. Bah, je sais plus, c'est quoi ici, on verra. On verra. On lira le debuff, peut-être que c'est marqué. C'est ça. Tu feras un fear, et on, comme ça, le mec aura le temps de lire, sans... et il nous dira. Et je vais bien sûr résister moi sur le fear, sinon c'est pas drôle. Ah bah ça... Un classique. Ah mais tout est gentil là, les sorciers de Dalaran, ils sont gentils, Gain Dalaran, ils sont gentils. Ça me fait trop bizarre, tout le monde dit il est gentil ici. Heureusement j'ai pas pris foin flexible. C'est quoi? Ah, augmente de 5%. Bon, pourquoi c'est bien là? Bah non, ça veut dire que tu pourras pas le faire si c'est cool. Ah oui. Après en 1, t'as pas un truc pour rester au charme ou je sais pas quoi? T'as pas genre peau de fer Non, c'est poison et tout ça. Y'a que les undead pour les charmes. Après y'a la bulle aussi. C'est la bulle. Ouais. C'est vrai qu'il y a la bulle si c'est sur Zanim. Ah, je pense. Mais je crois qu'il le fait sur le temps. L'insigne, ça a enlevé les stuns, mais ça enlevait pas les fiers. L'insigne de l'ordre s'enlève tout. De l'alliance. Ah. Enfin, oui. Au ça enlevait pas tout au début. Ah, peut-être. Bon, la suite, ça enlevait tout. C'est juste tout le principe. De l'alliance de l'ordre, c'est la même. C'est pareil. Oui, oui. Il me semble que justement, j'avais été surpris qu'elle n'enlevait pas tout quand j'avais refait du PVP. Heureusement qu'on n'est pas sur serveur PVP. Mais si besoin, j'ai œuf de poule. What the fuck? C'est quoi ça? Incinération. Juste un pote. Ah, tu restes en fait en feu, d'accord. Oh, c'est chelou l'incinéré. Donc en fait, tu fais une spé autour du feu. Ouais, ça remplace en fait le trait d'ombre. Ah mais ça fait plus mal qu'un trait d'ombre, ouais. Bordel. Ouais, le bijou il enlève pas les fires. En fait il y en a deux, ouais, ça mais dépend des classes. Raté. Ok. Non, c'est où le chemin là? Il fait pas... Ah je suis allé trop loin. Pas la même chose, je suis allé trop loin, Lucas. Ok. Et Zad il est parti trop tout droit aussi. Contre les dégâts de feu. Ah mais l'ordre du chaos c'est un... Le trait du chaos, c'est un feu. C'est feu et ombre, je crois. Oh. Y a pas marqué. Lance un éclair de feu chaotique. Alors. C'est quoi du feu chaotique? Ah mais c'est des alliés aussi. Non, c'est des gars de feu. Les Worgen, là. Bah oui. Bah oui. Même quand ils sont transformés, ils sont amicaux. Ah peut-être pas ça.
Ok, donc il y a une spé en fait avec incinéré, mais j'utilise plus le trait d'ombre en fait, résultat. On va essayer ça. Oh putain, ça le chelou. Ah, c'est que des putains d'allées ici. Non, bah on faut pas aller en bois du bûcher là, je suis en train de suivre Lucas. Non, ça va, ça va. Ça va. Je vois des amis. Je... C'est où, anneau des grandes profondeurs. Bah, vu le nom, c'est pas Brasse-Noire ça par hasard? Ah non, c'est Mutanus. C'est Mutanus le dévoreur. C'est celui qui est tombé, boss de fin de Lams. Boss de fin caché. Et ouais, l'anneau est tombé, on était 4 dessus. Et c'est Zadim. Ah, on a... c'est sur lui, ah oui, c'est pas ouais. La quête. On a fait 8, 6 et 4. Et Zadim a fait un 34. Ah. Voilà. Les bons rolls de qualité. Il avait pas fait un 100? Ah non, il a fait un 100, c'est ça, excuse-moi, t'as raison. Il a fait... Ah non, c'est celui-là qui a fait un 100? Oui, il a fait un 100, excuse-moi. Il me semble, ouais. Si, si, ouais, j'avais, c'est ça, j'avais c'est ça. Skip. Ou alors c'est un bâton, je sais plus. Regarde note. Oh. Et à 2 minutes près, si on l'avait pas tué plus tôt, bah il y aurait un rollback et on aurait rien eu. C'est vrai, ça serait dommage. Ok. Allez, session buff. S'il y en a. Voilà, ouais, Xela quoi, au boulot. Zadim les. Zadim il peut nous mettre les bonnes bénées. C'est vrai qu'on va avoir des bénés. Oh, les bénés toutes les 5 minutes, ça, je suis pas prêt. C'est horrible pour le pal. Ah, mon dieu. Et par personne. Si encore c'était par 5 minutes, mais par groupe. Ça aiderait. C'est quoi le corps de l'ordre des vins? Je sais pas. C'est pas ouf, hein. Et pour le raid, j'aurais pas les buffs de groupe en 15 minutes. Oh, putain. C'est rune palouf. Ah, stylé. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça remet toutes les demi. C'est pas mal. Ouais, c'est clé. Non, mais ça, pourquoi ils ont pas fait ça, c'est... Ah. My bad. Trop de DPS, Wookie, hein, trop fort. Donc là, je suis en démo. Là, je le vois proc, elle proquait pas tout à l'heure. Ah oui, t'as enlevé ton poison là, c'est ça? Enfin, t'as plus ton poison. Enfin, j'ai pas enlevé. Oh bah, c'est bien, je vais pouvoir ne pas reprendre l'agro, donc je vais déplacer. Mais c'est trop stylé l'aspect feu en démo là. Ta gueule. Que c'est stylé, putain. On a du monde, hein. Putain, ça coûte une fortune en mana cette spé. De Dieu. Ah, c'est pas un debuff, c'est un buff qu'on prend. Tellement bien des mots. Bah je vais B moi, au cas où que j'ai. Ah quoi qu'après, non je vais faire cupi, je crois pas qu'il y ait mieux. Excusez-moi. Oula. Ah ouais, le boss et tout, on finit les ZAD d'abord. Finir les ZAD. On laisse le boss tranquillement sur Xela. Tu peux reculer un peu Xela s'il te plaît? Bon, je suis obligé de taper le boss, moi. Je suis bloqué. Ah. Ah toi aussi, ok bon. Pardon ? C'est qui a focus sur le boss ? Bah moi j'avais pas le choix, j'avais que ça à porter. Ah ouais. Je pouvais pas bouger. Gros malin. Par contre au final la baguette de feu que j'ai pris de C à Olams, bah j'ai bien fait. Parce que j'ai 25% de dégâts en plus sur le feu. Donc bien worse. Oh non, on va tuer un dead. Ah faut le tuer ici du coup ?
Bah oui. Maintenant, ouais. Oh là là. Et l'autre, il donne une quête à l'intérieur. Il nous la porte, je suppose. La lumière soit avec lui. C'est, c'est l'inverse. Eh, 500 écus, hein. Bon, donc il y a une vraie spé-feu en fait, destruit. Bon, par contre, résultat, je sais pas quoi prendre en sort parce que trait de l'ombre amélioré, ça sert plus à rien. Question le chat, je sais pas comment ça marche pour les autres classes. Quand vous avez un sort qui est issu d'une rune, donc qui n'est dans aucun de vos trois arts de talent, il est aucun des trois arts de talent. Par exemple, en gros, moi, mon incinéré, il me semble que c'est un truc de destruction de base. Mais comme là, est-ce que c'est la destruction ou pas? Parce que alors, quand j'ai un truc genre qui réduit la mana et les sorts de destruction. Bah, c'est clair ma question. Il y a marqué les sorts de destruction. Ouais, il y a marqué les sorts de destruction. Régneux en le coup en malade vos sorts de destruction de 1%. Il y a moyen de tuer dans le cul. Je pense aussi. Ah, mais c'est qu'ils ont des boubons anti-magie ces bâtards. Eh bah écoutez, hop. Allez! Bim! Je suis le seul à avoir B? T'es le seul qui a besoin d'un anneau en intel? Ah, bah Zalim, ouais, je pense aussi, mais il a dû être gentil. Hein. Parce que comme il a déjà un super, je pense qu'il a dû le. C'est ça, voilà. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Il a été sympa, Zalim. J'apprécie. C'est vrai que là, l'anneau 3 intel, ça fait plaisir. Hein. Ah bah oui, c'est vrai que lui, là... Ah, il faut le tuer aussi, ah putain. Ah mais on tue plein de gens que j'aime bien, moi, là. Je pense que c'est gratuit. Ouais, il était jaune, hein. Ah, il était jaune et à terre. Donc on était pas obligé de taper. Hein. Bah, il a un HP, il est pas mort. Ah oui, c'est vrai, on l'a... Comme sur... Ouais, on l'a... Bah, version Baldur's Gate, ouais. On va prendre ses cartes. Non, mais de toute façon, la meilleure qui a pas agi, je pense, c'est sur les lames. Ils agissent devant toi. Sur le. Je l'ai. Ah ouais, je l'ai tonnerre. Tiens, il y a des minerais d'étain, il y a des feuilles, du minerai et un pantalon. Dans le coffre. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien cette musique, putain. Ville à droite, hein, que j'ai là. Ville, oui. Personne. Mayintel. Ah bah. Des smash. Alors. Quoi, tu veux de la maillantelle ou t'as eu de la maillantelle? Non, moi c'est le cuir.